en fait de créer un dynamisme et une synergie dans le club à tous les niveaux, aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des seniors. J'ai proposé ça au comité, le comité m'a suivi et on a contacté une société qui fait que ça, la société qui s'appelle Album Club. Et donc ils sont venus faire les photos, ils sont venus faire les individuels et collectifs. Et nous après on a eu un gros travail derrière pour récolter ces photos, les envoyer à la société, mettre en place le projet et puis faire le tri, la sélection à chaque fois des photos, les noms, revérifier au niveau de chaque éducateur. Et l'idée c'était vraiment que tous les enfants puissent bénéficier d'un album collector, on va dire, qui va rester dans les foyers pendant longtemps, on espère. Album à tout le monde, donc chaque joueur aura son album, des petits jusqu'aux grands. Et puis les vignettes sont 2 francs pour 10 vignettes, c'est une pochette de 10 vignettes, et donc 2 francs chaque paquet de vignettes. Là, on a cartonné cet après-midi, les gens ont adoré. Le club en tirera pas forcément un gros bénéfice, mais c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire plaisir à tout le monde et que tout le monde puisse se voir. Les enfants, là, ils ont fait la course à leur image, la course à l'image du coach. Le jeu, c'était ça, c'est que ce soit de l'école de foot jusqu'en haut aux seniors. Et je vous avoue que même les seniors ont joué le jeu cet après-midi en se voyant. Il y en a certains qui ont acheté pas mal de vignettes. Et voilà. Le petit mot du président, les photos de chaque joueur. Donc on commence par l'équipe première avec des photos individuelles. Et ensuite, vous avez des photos de toutes les équipes, aussi bien l'école de foot que les E, les petits, les grands. Enfin voilà, et ça va jusqu'aux féminines et aux seniors de notre équipe 3. Et puis avec des sponsors qui nous aident aussi pour financer ça.